What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui on va parler encore à propos de GTA V, peut-être d'un futur DLC, même s'il y a eu ce fameux DLC braquage. En fait c'est FanMW2, juste avant je tenais vraiment à vous donner mon snap personnel, j'allais dire Skype mais non en fait c'est snap personnel, qui s'affiche en bas de l'écran. Donc voilà, je vous le témoigne et tout, et puis j'essaie de répondre à un maximum de personnes, parce que c'est vrai que depuis il y a pas mal de temps qu'ils me parlent et tout. Enfin bref, aujourd'hui on va parler avec, donc je vais vous montrer en fait une image, c'est pas n'importe qui, c'est FanMW2. Donc c'est une personne sur Twitter qui tweet pas mal de choses à propos de GTA V sur les futurs DLC et tout. Et comme vous pouvez le constater, c'est à propos des animaux en fait, simplement. C'est une personne assez on peut dire assez crédible, parce que à chaque fois qu'il nous a donné des informations à propos du futur DLC ou des trucs comme ça, et bien ça s'est avéré à chaque fois quasiment vrai au niveau des images. Là je vous fais juste à montrer en fait quelques images en fait sur l'écran au niveau des animaux qui sont déjà disponibles et bien dans le jeu GTA V, parce qu'en fait il a partagé un tweet assez étrange en disant comme quoi Rockstar soi-disant était en train déjà de qu'ils ont déjà testé et qu'ils étaient on va dire un peu en cours de développement au niveau de futurs animaux dans le jeu. Et pour l'instant il n'y a pas plus d'informations, mais peut-être ça peut être au niveau des animaux comme on peut le constater ici, qui vont on va dire aller un peu dans certains domaines naturels, peut-être dans le côté désertique ou alors dans l'eau, mais au niveau de l'océan et tout, je pense qu'on a déjà, ils ont déjà rajouté pas mal d'animaux depuis, des baleines, des dauphins, des orques ou des trucs comme ça. En fait ils ont rajouté pas mal de choses, et moi ce que je pensais plus c'est un peu au niveau des animaux un peu domestiques. Ça serait super cool, je sais pas du tout ce que vous en pensez, peut-être avoir un chien qui peut vous suivre, ou alors quand on va dans son appartement et tout, la possibilité de pouvoir payer, enfin se procurer des animaux. Ça j'ai pensé que ça pouvait être une très bonne idée. Il n'y a pas plus d'informations là-dessus, mais ça reste à voir. Et puis je pense qu'il faut vraiment regarder de près son Twitter. Donc voilà, s'il va rajouter peut-être des nouvelles informations, ça reste à voir. Mais moi en tout cas je pense que ça peut être une super bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Merci de me dire franchement tout ce que vous en pensez, tout ça dans la barre des commentaires. Et puis de me suivre aussi sur ma page Facebook personnelle, mais surtout de me suivre, enfin en tout cas de me snapper et tout, si vous avez des idées, des questions, des trucs comme ça. Moi en tout cas je suis assez positif là-dessus. Et puis voilà, merci beaucoup, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out. Yeah.